pense de merde qui peuvent durer. J'en ai marre de faire semblant, j'en ai marre de faire de Mr. Movie sexuel. J'en peux plus entendre les sirènes, même à travers la double vitre. Parce que je supportais plus d'aller chez moi, je suis allé rejoindre des gens dans un de ces pubs irlandais merdiques qu'on trouve sur les grands boulevards. À une table sur ma gauche, il y avait un groupe de filles, dont une qui m'a tout de suite plu. Elle était un peu mat de peau, mais avec les cheveux châtain clair ou blond foncé, je sais jamais. Mais surtout, elle avait l'air plus bienveillante et sereine, comme si elle avait pas renoncé à rien, comme si elle avait jamais douté de la beauté du monde et de celle des hommes. Je me suis fait quelques films, osé mais joli, restait tout de même à établir le contact, ce qui est impossible à faire en réalité, on nous le fait croire dans les films, mais c'est une vaste arnaque. Ça m'est retombé dessus d'un coup, je me suis senti seul, triste et fatigué. J'arrive pas sans toi, j'arrive plus à encaisser. Comment est-ce que ça va se finir? Comment est-ce que je vais faire? J'ai besoin de toi comme d'une infirmière. Que tu répares ma tête et mes sentiments qui fonctionnent plus bien. Que tu refasses mes stocks de sérotonine. Que tu me dises que c'est rien. J'ai compris que tu voulais pas de moi pour l'instant, mais je me force à croire qu'avec du temps tu changes d'avis. Et dans mes nuits, je rêve encore que tu m'emmènes danser jusqu'au matin. Sur la musique, on va en venir. On se va et on revient. Tu t'élances et je te tiens. Tiens, au bout des doigts pour te ramener contre moi. Sur la musique, on va en rien. Corps contre corps, main dans la main. Plus rien n'existe, plus rien ne vient. Comment je te tiens du bout des doigts pour te ramener contre moi. Je me suis fait tirer de mes pensées de la pire façon possible. Une grande claque sur l'épaule, le truc que je déteste. Envoyé par un genre de rugbyman pas très discret, un gars que je connaissais un peu. Alors ça va l'artiste, il me dit. Les amours, tout ça d'ailleurs au concert. Tu dois bien te faire plaisir mon salaud. Le genre de choses qui met tout de suite super à l'aise, qui te rapproche encore un peu plus de l'eunuque dans son rêve. Je lui réponds que ça c'est soit un mythe complet, soit c'est moi et mes petits camarades qui sommes des manches. Évidemment il se m'a charrié, il me dit que c'est pas possible, que j'ai un problème, que je suis pédé. Oh vieux, si tu savais combien de fois je me suis posé la question tout seul, sincèrement. Qu'est-ce qu'il déconne, j'aimerais pas que t'es pénurie, qu'il est gentil, je me pars en courant. Ça m'est retombé dessus d'un coup, je me suis senti seul, je me dis que c'était fatigué. J'arrive pas sans toi, j'arrive plus à encaisser. Comment est-ce que ça va se finir? Comment est-ce que je vais le faire? J'ai besoin de toi comme d'une infirmière. Que tu me dises que je suis hors de danger, que mon état va s'améliorer. Que tu passes ta main dans mes cheveux, que tu prennes ma vie pour en faire quelque chose de mieux. J'ai compris que tu voulais pas de moi pour l'instant, mais je me force à croire qu'avec du temps tu changes d'avis. Dans mes nuits, je rêve encore que tu m'emmènes danser jusqu'au matin. Sur la musique, on va en rien. On s'éloigne et on revient. Tu t'élances et je te tiens, je te retiens. Yeah.